mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors aujourd'hui, vous êtes avec Pedro, toujours fidèle au poste, et puis Bernard. Et notre émission sera consacrée à une personne que vous connaissez sans doute, pour l'avoir rencontrée souvent dans des manifestations. Cette personne s'appelle Jacques Gaillot. Alors Jacques Gaillot, c'est un homme qui est toujours engagé, à 84 ans. Il a toujours été engagé auprès des déshérités, des sans-papiers, des sans-abri, des peuples sans terre et de toutes les victimes des violences et des guerres. D'ailleurs, il a fait lui-même la triste expérience de la guerre d'Algérie et il est devenu depuis un pacifiste engagé. D'ailleurs, nous allons parler assez souvent dans cette émission de son livre « Lettre ouverte à ceux qui prêchent la guerre et qui la font faire aux autres ». Alors Jacques Gaillot devait être avec nous aujourd'hui, mais comme il est très occupé, il est en réalité en Bourgogne pour une conférence, et nous avons quand même pu nous entretenir avec lui lundi dernier, le lundi 16 septembre 2019, et nous allons donc vous diffuser cet enregistrement pendant l'émission. Mais je voudrais vous signaler auparavant la sortie d'un livre qui va nous intéresser particulièrement à l'Union pacifiste. Ce livre s'appelle « Mauvaise troupe » des journalistes Laïla Minano et Justine Brabant, et qui porte d'ailleurs le sous-titre « La dérive des jeunes recrues de l'armée française ». Bon, alors nous espérons d'ailleurs pouvoir les inviter prochainement pour une émission Civis Pacem. Bon, et maintenant nous allons écouter Jacques Gaillot. La première fois que vous venez à Radio Libertaire. Je crois. J'étais souvent invité, mais ça ne pouvait pas se faire. Et alors, je suis content, justement, que Radio Libertaire m'invite à parler de la paix. Parce que la paix, ça fait partie de ma vie. Depuis la guerre d'Algérie, la paix m'habite. Alors avant de parler de la paix, moi je voudrais dire que quand même je vous ai croisé souvent dans les manifestations, oui, avec Théodore Monod, avec Albert Jacquard. Alors Albert Jacquard et Théodore Monod,
À Radio Liberté, on en parlait souvent. C'est vrai. Et notamment Albert Jacquard. Alors Albert Jacquard, je sais que lorsqu'il est décédé en 2013, vous avez prononcé des phrases pour lui. Oui. Je ne sais pas si vous en souvenez. Sinon, je les ai notées. Bon, en tout cas, la famille voulait, lui aussi, que ce soit moi qui l'enterre. Alors bon, j'ai accepté. Et j'ai repris quelques phrases qu'il redisait souvent. Vous voyez, par exemple, on ne devient soi-même que par la rencontre des autres. Ou bien, nous sommes appelés à construire un monde où chacun existe pour l'autre. Vous voyez, des belles phrases comme ça, qu'il avait, dont il avait le secret. Vous voyez. Alors voilà ce que vous aviez écrit. Je lis, aux côtés de Théodore Monod, vous avez partagé une démarche fondée sur la non-violence, la confiance en l'homme, celle de l'émulation, mais non de la concurrence sauvage. Alors lui, je sais qu'il n'aimait pas du tout la concurrence sauvage, lui qui était un polytechnicien, qui ne conduit qu'à l'exclusion et à la violence. Vous avez été de tous les combats citoyens pour la justice, le logement, l'environnement, qui vous préoccupait tant. Citoyen, vous l'appelez. Albert Jacquard, cher ami, soyez fier de ce que vous avez accompli pour les générations de demain. Ben, ça, on pourrait l'appliquer à vous-même aussi. Je ne sais pas, mais je crois que c'est un citoyen qui préparait bien l'avenir. Il était toujours tourné vers l'avenir, toujours positif, en disant « demain est à faire ». Ça, c'est un mot de lui. « Demain est à faire ». Vous voyez ? Et il avait ces phrases en disant, vous savez, avant d'être un étranger, nous sommes des citoyens du monde. Avant d'être du nord, du sud, nous sommes des êtres humains. Vous voyez, il venait toujours sur l'essentiel. Et alors les gens, ils comprenaient. Vous voyez, les sans-papiers, les mal-logés, il leur redonnait cette dignité. Il disait, la dignité, personne ne peut vous la prendre. Elle vous appartient. Regardez ces migrants qui arrivent à Paris. On leur a tout pris, ils ont tout perdu, mais personne n'a pu prendre leur dignité. Ils arrivent à Paris, fatigués, épuisés, ils n'ont plus rien, mais ils ont une dignité rebelle. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Alors, après vous avoir croisé plusieurs fois dans les manifestations, vous êtes venu le 24 mai pour la constitution d'un comité, d'un collectif, on va appeler ça, non au SNU. Alors non au SNU, non au service national universel. C'est là que je vous ai rencontré. Oui. Et je vous ai invité, vous êtes venu tout de suite. Pourquoi ? Ah oui, Eh bien parce que, écoutez, moi je fais 28 mois de service militaire. Et je l'ai fait parce que, il fallait le faire, vous voyez. J'étais, je dirais, à l'époque un peu jeune et discipliné, hein. Il fallait. Bon, pourtant j'étais sursitaire, mais enfin, à un moment donné, il faut y aller. Alors je suis parti avec des semelles de plomb, vous savez, vraiment, au service militaire. Je ne savais même pas qu'il y avait l'objection de conscience qui pouvait déjà démarrer. Je ne savais rien, vraiment. Et j'ai été affecté dans la coloniale, à Fréjus. Un régiment semi-disciplinaire, là pendant 4 mois, j'ai fait mes classes. J'en ai un peu bavé quand même, hein, parce que c'était dur, vous savez. Ma prière du matin là-bas, vous savez, le professeur de gym, on sortait la gymnastique. Le sport, c'est bien. Les femmes, c'est mieux. Comment ? À poil. Oh ! C'était ma prière du matin, vous voyez. Moi qui sortais du séminaire. Bon. Enfin, pour dire que j'ai fait 4 mois de classe, là. J'étais caporal-chef, j'étais très honoré. On était dans des chambrées 62, vous savez, c'était bon. On va peut-être préciser la date, c'est 1957, c'est ça ? C'était au mois de mai 57, vous voyez, mais comme ça je suis arrivé là-bas, bon. Et puis après, je suis parti à l'école de Cherchel, en Algérie, une école pour les officiers, bon. Que l'officier, 6 mois, j'étais 6 mois à Cherchel. Et alors, plus ça allait, plus je voyais qu'on était fait chef de section pour entraîner les militaires au combat, etc., savoir dire tel piton là-bas, vous ici, vous là, on y va, crapahuter. Moi, vraiment, je n'étais pas fait pour ça.
Et alors j'étais sur une autoroute où j'ai loupé la sortie, je ne peux plus sortir. Et je suis là, je suis obligé de continuer. Je dis, quand est-ce que je vais sortir de ça? Alors je savais bien qu'il y avait la fin du stage, les 6 mois, mais enfin c'était pour dire, vous êtes affecté ici, vous êtes affecté là. Et on m'a proposé, à la fin, on a proposé les affaires algériennes. C'est-à-dire les tâches de pacification, vous voyez. Alors moi j'ai tout de suite été d'accord, vous voyez, on ne faisait pas la guerre, mais on était pour la pacification. On était détaché auprès d'un préfet, et puis envoyé dans une SAS pour... Alors on fait un petit stage de 3 semaines à Alger, qui est sympathique, sur un peu la culture, la religion, les manières de faire, quelques éléments d'arabe, c'est intéressant. Bon, et je suis affecté à Sétif, Sétif la rebelle, c'est bon. Et là-bas, le préfet me dit, écoutez, je vous nomme à la SAS de Maoklan, vous avez un lieutenant qui est très remarquable, là-bas, vous allez voir, avant de partir, vous allez le connaître un peu, bon. Et je vais là-bas, c'est sur les hauts plateaux de Sétif, c'est une zone dangereuse, numéro 1, à risque, bon. On a 30 mourasnis pour notre sécurité, pour être avec nous, vous voyez, bon, un bordj. Et me voilà là-bas, et de fait, cet officier... chrétien convaincu, qui se donne à fond, il a fini général, en retraite, etc. Bon, il avait beaucoup de qualités, intelligent, respectueux, d'un séminariste. Et alors, il me disait, Gaillot, vous savez, il faut leur prêcher à tous ces Arabes, il faut leur prêcher que l'Algérie est française, etc., etc. Et je me rappelle un petit village à Trouna, à quelques kilomètres de la SAS, là. Il avait, avec son bigophone, là, il avait vraiment parlé avec feu, avec flamme, je ne sais pas comment dire, en disant « Jamais la France ne vous abandonnera, elle sera toujours française, à vos côtés, et nous sommes fiers d'être les uns à côté des autres. » Enfin, discours. Moi, ça ne m'allait pas bien, vous voyez, je n'aime pas les discours de certitude. Vous voyez, j'aime pas les certitudes comme ça, bon. Enfin. Et puis, moi je pensais bêtement en arrivant que l'Algérie était française, 3 départements français, mais petit à petit j'ai compris qu'on m'avait menti. Vous voyez. Et qu'on n'était pas là chez nous, on était chez les autres. Et que c'était une guerre coloniale, vous voyez, petit à petit, puis on ne pouvait pas en parler, vous savez, c'était... tabou, c'était sacré, mais enfin quand même, je voyais que les gens connaissaient le terrain, tout ça, ils étaient chez eux, et malgré tous les efforts de l'armée, on n'y arrivait pas beaucoup, vous voyez. Quelquefois un capitaine dit, moi j'en ai tué 12 des Felagas, moi j'ai ceci, cela, alors, c'est formidable, très bien. Et alors ce que j'ai vu, c'est que les appelés qui arrivaient comme ça, il y a une embuscade. Il y a un de leurs copains qui est mort ou blessé, leur lieutenant qui est blessé. Alors après, ils deviennent des sauvages, oui, pour les venger. Ils brûlent tout ce qui est alentour, les villages, ils violent des femmes, ils tuent, pas croyable, vous voyez. Et après, ils sont étonnés de ce qu'ils ont fait. Tout le vernis un peu de l'éducation, de ce qu'on leur a appris, ça a sauté. Et puis ils sont violents, ils sont barbares, ils sont... Et ils se découvrent eux-mêmes avec cette haine dans le cœur, vous voyez. Et il y en a, ils n'osaient plus en parler à personne, d'avoir tué des gens, d'avoir violé des femmes. Et ça leur a poursuivi toute la vie, vous voyez. C'était leur secret. Je me rappelle, une de leurs femmes m'avait dit, vous savez, il a toujours quelquefois dans la nuit des cauchemars, il se réveille, etc. Et je suis sûr que c'est l'Algérie, mais il ne veut pas en parler. Ça les a poursuivis. On disait souvent, mais si, il faut faire ton service militaire, tu sais, c'est là qu'on devient des hommes, c'est que là, etc. J'en ai connu qui ne sont pas devenus des hommes en Algérie, je peux vous dire. Ils ont été détruits, démolis par l'alcool, la bière, par... etc. Enfin, oui. Bon. Enfin, pour dire que je voyais que c'était une sale guerre, une guerre qu'on ne gagnerait pas, que c'est de l'absurdité, qu'on tue des gens bêtement. Et voilà, j'ai pris conscience de ça, ou des mois, vous voyez, comme ça, des mois. Donc moi, je ne faisais pas la guerre.
et j'essayais de tisser des liens. Vous voyez, au début, les gens, j'avais quand même le costume militaire, vous voyez, alors j'étais quelqu'un de l'occupation, hein. Mais au cours des mois, ils ont vu que j'étais un bon type, que je voulais pas leur faire de mal, et que, au contraire, j'essayais de préparer un peu l'avenir avec eux, vous voyez, comme ça. Et j'habitais un village où il y avait un caïd, c'est-à-dire un homme important, il a l'oreille des félagas, l'oreille des militaires, et il me dit, je dois vous dire quelque chose. Les félagas m'ont dit qu'ils ne vous feraient rien. Alors ça m'a fait plaisir, parce que je revenais souvent tout seul le soir, la nuit, avec la jeep, comme ça, j'aurais pas le droit, c'était dangereux. Alors ça me confortait un peu, quand même. Mais ça me confortait aussi de voir qu'ils sentaient que j'étais avec eux. Et que j'étais avec eux. Puis il pouvait m'arriver le malheur du côté des Français. Et il était temps que je finisse mon service militaire, vraiment, voilà. Alors, votre service militaire, vous l'avez terminé en 59, c'est-à-dire avant l'indépendance. Avant l'indépendance, oui, c'était encore la guerre à outrance, c'était les mauvais moments. Et alors, je me disais, moi, je repars en France, et puis eux, je les laisse. Et comment ça va se faire, quand on partira, les règlements de compte, tout ça, tous ces Morazni qui, vous voyez, etc., qui seront considérés comme des traîtres, vous voyez, qui sont exécutés, qui ont essayé de se cacher, de se sauver. Enfin, je sentais que ça serait difficile, mais ça serait difficile. Et donc c'est en Algérie aussi que j'ai découvert, mais enfin, comment contrer la violence. Et la violence, elle est partout, là, on fait la guerre. Et c'est là que j'ai petit à petit découvert la non-violence, voyez, la non-violence que... Bon, Gandhi, tout ça, ça a ruminé en moi. Je suis un peu lent à découvrir tout ça, mais enfin, l'Algérie m'a rendu non-violent, je crois. L'amour et la guerre, tiens, j'en parlais à l'instant. Le chanson interdite au moment de la guerre d'Algérie, que chante maintenant Dominique Dimet. Pourquoi donc irais-je encore à la guerre, après ce que j'ai vu, avec ce que je sais? Où sont-ils à présent, les héros de naguère? Ils sont allés trop loin, chercher la vérité. Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent. Tant de fois le cœur gros, je les ai vus passer. Elles berçaient pour moi les rêveries anciennes. Illusion d'un enfant dont il n'est rien resté. Toutes les fleurs sont mortes au fusil de nos pères. Bleus et coquelicots d'un jardin dévasté. J'ai compris maintenant ce qu'il me reste à faire. Ne comptez pas sur moi si vous recommencez. Jamais rien, car l'amour et lui seul survit parmi les flammes. Je ferai ce qu'il faut pour défendre le mien. Pourquoi donc irais-je offrir ma jeunesse, alors que le bonheur est peut-être à deux pas? Je suis là pour t'aimer, je veux t'aimer sans cesse, afin que le soleil se lève sur nos pas. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une belle chanson de Dominique Dimet, et maintenant nous poursuivons notre entretien avec Jacques Gaillot,
Jacques Gaillot, qui a découvert la violence de l'armée pendant la guerre d'Algérie. Vous dites justement que ça a été presque un déclic. Ça a été le rejet de la violence, ça s'est passé vraiment en Algérie, un peu à ce moment-là. Parce que vous avez été témoin d'une violence extrême. C'était vraiment la guerre. On appelait ça la pacification, mais c'était la guerre. Oui, presque en direct, mais pas vraiment en direct. Par exemple, on voulait arrêter mon chauffeur à Mourazni en disant « il veut vous tuer ». Alors c'était un adjudant de militaire qui s'occupait du renseignement, vous savez, le renseignement. Et alors, je dis « écoute, c'est pas possible, enfin, si, vous savez, il veut vous tuer ». Bon, ça a fait quelque chose. Alors, est-ce que vous acceptez qu'on vienne l'arrêter ? Ah, je dis non, faut pas arrêter comme ça. Quelqu'un qui travaille avec moi, qui est ici, non, je veux pas. Surtout qu'il était fiancé, alors je dis non. Et il prend à Lafayette, à Bouga, il prend 8 jours de vacances, là, comme ça, dans sa famille, avec sa fiancée. Ils ont été l'arrêter là-bas. Ils ont dit, n'est pas la SAS, on va le piquer là-bas. Comme ça, Gaillot, il ne peut rien dire. Et donc, il était ramené là-bas, dans le centre des renseignements, qui était sous terre, que je connais pas, que je n'ai pas visité, mais enfin, je sais que c'était là. Et 8 jours après, il mourait. Type de 22 ans, un gros balèze, etc. On lui a fait, paraît-il, des supplices pour qu'il parle, etc. Ah, ça m'avait vraiment choqué. Le capitaine était du coin était en vacances, il est venu pour s'excuser de cette mort. Bon, vous voyez, des trucs comme ça m'a marqué. Ensuite, je m'en vais un jour, j'avais besoin d'aller à Sétif. Alors, il y avait 60 km, on ne peut y aller qu'avec l'armée, le convoi le matin, le convoi du retour. Bon. Alors, je m'en vais avec deux séminaires de Mourazni. Et puis le soir, je dis, alors c'est à 4h, 4h on part, hein, il faut être à l'heure, hein, parce que bon. Et donc, à 4h, il y en a un qui manque. Alors, je dis, je peux pas partir, il faut que je l'attende. Alors, le convoi militaire s'en va. Ça, ben, écoutez, nous, on s'en va. Et le Mourazni arrive trois quarts d'heure après. Alors, je dis, écoute, tu vois, le convoi est parti. Et on est là maintenant. On ne peut plus repartir maintenant, c'est dangereux. Il y avait les gorges difficiles. Et puis on voit revenir le convoi qui avait une embuscade. Le lieutenant était tué, il y avait 3 blessés, etc. Alors le Mourazni dit, tu vois, c'est peut-être grâce à moi. Ben, je dis, c'est pas le moment de. Mais alors ça m'avait marqué, ça, la mort comme ça de gens que j'ai connus. Une autre fois, c'était pour Noël, on m'a demandé si je voulais remplacer le responsable d'un commandement, d'un lieutenant ou un capitaine qui était parti en vacances à Noël et 1er janvier. Bon type, j'obéis pour le remplacer. Et il y avait sur ce piton des je ne sais plus comment on appelle ça, on fait une sortie, vous voyez, habituelle. Alors ils partent à 7, hein, comme ça, font une patrouille, voilà, puis ils reviennent, et puis ils ont sauté sur une mine. Et encore une fois, un jeune sous-lieutenant qui était là, sympathique comme tout, trouvé la mort, déchiqueté. Oh, vraiment, il s'appelait André Horry, je me rappelle son nom. J'avais essayé d'écrire, il était en Savoie à ses parents. Je n'avais pas une bonne adresse, enfin ça m'est revenu. Donc je n'ai pas pu écrire à vos parents. Ça m'avait marqué, vous voyez, cette violence qui est là, comme ça. Et donc, voilà, je vous disais, c'est pas avec les armes qu'on arrive à faire la paix. La guerre, c'est un échec. Un jour ou l'autre, il faut faire la paix. Et donc, c'est la paix qu'il faut faire, c'est pas la guerre. Alors, donc, vous m'avez envoyé un livre qui résume bien ce que vous venez de dire, Jacques Gaillot, parce que j'ai reçu votre livre, donc, qui s'appelle « Lettre ouverte à ceux qui prêchent la guerre et la font faire aux autres ».
Alors là, c'est un peu quand même un livre d'accusation, oui, parce que là, on sent que bon, c'est plusieurs années après la guerre d'Algérie. Entre-temps, il s'est passé d'autres choses. Mais c'est l'époque donc de la guerre du Golfe, oui, en 1990, au moment où l'Irak justement a envahi le Koweït et où les États-Unis arrivent à créer une coalition de plusieurs 35 États pour attaquer le dictateur Saddam Hussein. Dictateur qu'on avait bien aidé à s'armer avant. Alors là, donc dans ce livre, vous dites c'est presque une bouteille à la mer, ce livre. Vous l'avez écrit comme ça, spontanément. Oui. Oui, je dirais que ça m'a libéré un peu. Quand je voyais cette préparation de partout, de la guerre, etc., j'avais été en Irak peu de temps avant. Vous voyez, c'est un beau pays. Et puis c'est le berceau de l'humanité, il y a de si belles choses anciennes, et puis cette coalition qui se préparait, etc., pique tout le monde, oui, il faut faire la guerre, il faut... Je me disais, puis on fait, c'est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Faire la guerre, allez hop, on y va, etc. Donc c'est une absurdité pour moi, la guerre est une absurdité. Il y avait des manifestations à Paris à ce moment-là contre la guerre. Enfin, il y en a eu plus dans d'autres pays qu'en France, d'ailleurs. Mais vous participiez justement à ces manifestations. Et il y avait beaucoup de jeunes qui veulent la paix. Ça me faisait plaisir, vous voyez, que les jeunes s'emparent de la paix. Et ça faisait comprendre que tout le monde, tous les citoyens sont appelés à porter la paix. Vous voyez, les enfants, les anciens, tout le monde, les femmes, on est tous faits pour porter la paix. Il n'y a pas que les experts, les militaires, on est responsable de la paix, là où on est. Alors justement, dans ces manifestations, il y avait aussi René Dumont. Moi, je tournais le film sur René Dumont à l'époque de ces manifestations, La République aussi, plus ou moins interdite. Et puis, alors, dans ce livre-là, quand même, c'est un plaidoyer, c'est une lettre ouverte qui s'adresse... Alors là, vous citez des gens qu'on aime bien, nous, à l'Union pacifiste, comme Jacques Prévert. Hein, bon, lui, quelle connerie la guerre. Et puis vous dites, je ne crois pas au bienfait de la paix armée. Ce n'est pas en préparant la guerre que l'on peut vivre en paix. Bon, et puis vous citez, alors pour nous, c'est notre générique, Boris Vian. Vous citez Boris Vian. Mais j'étais un peu aussi en colère, vous voyez, devant cette coalition de tous les États qui partaient, là, comme ça. Alors que chaque fois, quand il y a une guerre qui se termine, on dit jamais plus la guerre. Hein, tout le monde dit, ah oui, ça, jamais plus la guerre. Tout le monde, comme après la guerre 14-18, cette boucherie, etc., jamais plus la guerre. Puis on repart comme ça, comme si on oubliait le passé, on n'avait plus de mémoire. Et ça me révolte, vous voyez. Ben oui. Alors on est content de s'inspirer d'auteurs qui sont forts, qui ont dit des choses, parce que la colère ne suffit pas. Alors il y a justement, là vous dites une phrase que j'avais bien notée, « La guerre est une calamité pour l'humanité ». Enfin bon, là c'est ferme et définitif. Et oui, quand on voit ça détruit les familles, ça détruit pour les enfants. Ils font les frais des guerres, les enfants. Vous savez, leurs parents, leurs pères, etc. Ils partent en exode, ils sont des pauvres enfants qui sont ballottés partout comme ça, qui seront marqués à vie. Vous voyez? Moi, je me souviens de l'exode, on est parti avec ma mère, puis des voisins. On est parti au Mets-sur-Èvre, là, en Touraine, enfin, il a fallu partir. Alors attendez, là, Jacques Gaillot, vous évoquez des souvenirs anciens. D'abord, il faudrait rappeler que vous êtes né en 1935, c'est bien ça, que vous êtes né à Saint-Dizier, oui, donc dans l'Est. Oui. Et là, vous dites que vous avez vécu ces périodes de la Deuxième Guerre mondiale. Ben, tout à fait. J'ai des souvenirs, vous savez, marquants, parce que les Allemands étaient à Saint-Dizier, il y avait la base aérienne, hein, les Allemands la tenaient. Et je les voyais souvent défiler avec l'armement, comme ça, dans les rues, etc. Ils venaient même chez nous pour perquisitionner, voir s'il n'y avait pas, etc., un Américain, je ne sais pas qui. Enfin, ça me faisait peur, les armes, ils arrivaient. Ils étaient en pays conquis, vous savez, en pays conquis. Quand il y avait des bombardements, hein, là, en 1944, etc., tout le monde du quartier venait dans les caves de mon père, puisqu'il était négociant en vin, des caves importantes, voûtées. Tout le monde venait. Il y avait des communistes, il y avait un vieux chanoine, on est une cinquantaine.
Puis il y avait des gens qui disaient, mais il faut prier, c'est peut-être notre dernier moment, mais tout le monde priait. Moi, je regardais ça, comme ça, c'est curieux. Vous voyez, ça, je garde ces souvenirs de... On se réveillait la nuit, il fallait partir dans la cave. Oui. Et donc, je me souviens de l'Exode, c'était en 41 ou 42, je ne sais plus. On est parti avec ma mère, puis d'autres, dans une camionnette derrière, là. Et puis, on a mis une journée ou deux, et on a été accueillis chez un maréchal Ferrand. On est resté là un an et demi. Bon, il fallait aller à l'école. Enfin, c'était, vous voyez, c'était dépaysé qu'on n'était plus chez nous, on était chez les autres. Alors. Oui, alors, et quel âge vous aviez à peu près à l'époque alors, Eh bien, j'avais 7 ans, oui. Ouais, 7 ans, oui, 7, 8 ans. Et ce sont des souvenirs qui marquent quand même. Oui, ça vraiment... Je peux vous dire encore comment était la maison du maréchal Ferrand, là, l'école, et puis un jour, il y a le maréchal Pétain qui est venu dans la ville. Alors, dans les classes, là, il y avait la chanson du maréchal, il y avait des... Ah oui, je regarde tout ça dans la mémoire. Et... Enfin, pour dire, voilà, pour moi, la guerre, c'est un échec, une absurdité. Je comprends pas qu'on puisse s'élancer si bien dans la guerre. Oui. Alors je sais que c'est utile pour l'armement, on essaye des armes, que ça, il y a des bénéfices pour les gens, qu'il y a tout ça, mais enfin, quand même. Et alors là, vous mettez en cause, bon, les politiques, ça, on le sait, puisque c'est quand même eux qui décident si oui ou non on va faire la guerre, plus que même que les militaires, hein, c'est sur les politiques. Mais vous dites qu'il y a quand même la racine du mal qui provoque la guerre, souvent c'est la pauvreté. Vous avez écrit justement, on en vient à la racine du mal et notamment à celle de tous les événements du Moyen-Orient, ce décalage énorme, vertigineux entre la pauvreté des populations et la richesse de quelques nababs de notre âge. Car si Saddam Hussein est effectivement un tyran, les princes du Golfe ne symbolisent pas vraiment la démocratie, la liberté et le progrès. On pourrait le dire encore aujourd'hui. Hein. Oui, parce que pour moi, comme pour d'autres, il n'y a pas de paix sans justice. C'est la justice qui crée la paix. Et la violence n'est jamais une condition de paix. Et donc quand il y a les inégalités qui grandissent, comme chez nous en France, comme partout, on ne peut pas connaître la paix. C'est pas possible, il n'y a pas de justice. Vous voyez ? Quand on voit cet écart entre des gens de banlieue et puis des quartiers riches de la capitale, il y a de l'injustice, vous voyez. Il y a d'un côté l'oasis, puis d'autre côté, c'est le désert, vous voyez. Alors un jour ou l'autre, ça explose, vous voyez, comme dans des pays d'Afrique, des pays pauvres, il suffit de peu de choses, une étincelle. Donc il faut créer davantage de justice pour que la paix puisse venir, vous voyez. Alors si je reprends le titre de votre livre... Lettre ouverte, Jacques Gaillot, lettre ouverte à ceux qui prêchent la guerre et la font faire aux autres, qui prêchent la guerre. Alors là, ça s'adresse aussi aux religieux, et vous, à l'époque, vous étiez complètement dans la religion. Mais oui, je le reconnais, que l'Église, comme d'autres religions, et l'Église a souvent pactisé avec la violence, c'est sûr. On a des aumôneries militaires qui accompagnent les militaires, on a béni, paraît-il, des canons, enfin on a... On parle de guerre juste, pour moi une guerre ne peut pas être juste. Il n'y a pas de guerre juste. La paix est juste, d'accord, mais pas de guerre. Et donc on ne peut pas légitimer la guerre, d'une manière ou d'une autre. Pour moi c'est pas possible. Bon, on me dit que je me trompe, mais enfin pour moi, c'est comme ça. Et donc... Ce qui me paraîtrait très important, c'est de ne pas accepter de partir en guerre. Une fois qu'on fait la guerre, c'est pas facile d'arrêter. Oui. C'est pas facile d'arrêter. Et même quand elle est arrêtée, ça a encore des conséquences. Et oui. Quand on voit toutes les destructions, regardez au Moyen-Orient, toutes les familles qui partent, la guerre de Syrie, regardez la guerre de Syrie. Tous ces réfugiés qui vont ici, qui vont là, qui sont déportés, qui vivent dans des camps. C'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est ça la guerre, voilà. Alors j'ai relevé, parce que justement en 1990, l'archevêque de Lyon, vous dites, prêche la guerre comme un déshonneur, hein, à l'époque encore.
Et alors, vous écrivez effectivement, au cours des siècles, bien trop souvent, l'Église a donné le mauvais exemple, guerroyant aux côtés des plus belliqueux, s'imposant par les armes, donnant raison et bénédiction aux plus puissants et aux plus sanguinaires pour dresser sa croix sur des ruines. C'est dur quand même, sur des ruines d'infamie. Cela fait partie de l'histoire, une histoire qui me choque, me narre. Je dis non à une Église qui laisserait croire qu'il peut y avoir de bonnes raisons pour faire la guerre. Donc il n'y a pas de bonnes raisons pour faire la guerre, vous l'avez répété plusieurs fois là. Et oui, alors vous parlez du cardinal de Courtrai, il a eu cette parole, mieux vaut la guerre que le déshonneur. Ah ouais. Et alors moi je suis parti en colère, je lui dis vraiment, etc. Puis dans un média, je lui dis que je voulais le contraire, vous voyez. Et ça vous a pas fait des amis tout ça? Alors il m'a dit, en fait tu te rends pas compte, enfin, de quoi tu as l'air, après ce que j'ai dit, etc. Puis je t'avais qu'à pas le dire. Oui, mieux vaut la guerre que le déshonneur, oui. Comme cul et chemise, comme larrons en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations, mais il n'en reste qu'une, au travers de l'histoire, qui ait su nous donner toute satisfaction, le sabre et le goupillon. L'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences, et maint beau capitaine, reposait le guerrier de la même façon, dans le salon chinois où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires, on leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craques en sang brémeuse, des forts en télérum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire, et après cette chanson de Jean Ferrat, qui dénonce l'alliance entre le sabre et le goupillon, nous reprenons notre entretien avec Jacques Gaillot. Jacques Gaillot, un religieux rebelle, justement, à l'alliance entre le sabre et le goupillon. C'est en mai 1982 que Jacques Gaillot, vous êtes évêque d'Évreux. Donc là, vous avez gravi les échelons, vous êtes évêque d'Évreux. Et puis, en 83, peut-être peu après votre arrivée, voilà que vous prenez la défense d'un objecteur de conscience qui s'appelle Michel Fache, vétérinaire, 30 ans, objecteur de conscience. Alors pourquoi défendre un objecteur de conscience? Qu'est-ce qu'il avait fait, cet objecteur? Ben d'abord, ce jeune est venu me trouver en me disant, écoutez, vous êtes l'évêque d'Évreux, j'ai appris que vous étiez non-violent. Eh bien, moi je suis non-violent. J'ai un procès au tribunal à Évreux, je serais content si vous pouviez venir.
Alors, je réfléchis un peu, je parle un petit peu avec lui. Ben je dis, écoute, bon, ben d'accord, je ferai un tour dans la salle, voilà. Et donc je revenais, j'étais un peu dans le nord du diocèse, je reviens, j'étais un peu en retard, j'arrivais pas à me garer, il y avait beaucoup de voitures de tous les côtés, je l'ai mis dans un, je sais pas, donc, bon. Et j'arrive, il y avait des jeunes, beaucoup de jeunes qui étaient là, beaucoup de jeunes, et je me glisse à l'intérieur, au milieu des jeunes. Et il se trouve que il y a un avocat, Jean-Jacques de Félis, non, peut-être. Jean-Jacques de Félis. Que je ne connaissais pas. Notre avocat, Jean-Jacques de Félis, notre avocat de l'Union pacifiste, qui a défendu aussi Cabu dans les procès militaires. Alors, il y avait il fait sa péroraison, et il dit, monsieur le président, quand je pense que dans cette salle, aujourd'hui, il y a le nouvel évêque d'Évreux qui est là avec les jeunes, et qui nous rappelle que, etc. Moi, je ne suis déjà pas grand, je disparaissais parmi les jeunes qui ne me connaissaient pas. J'ai dit, mais où est-il? Et alors, ça fait la plus mauvaise impression. Vraiment, le juge, vraiment. Il a mis une peine qu'on n'a jamais vue en France. Et alors, après, j'étais voir Michel Fache, je dis, écoute, je suis désolé, vraiment, c'est à cause de moi. Il me dit, on va faire appel, c'est pas fini. Ils ont fait appel à Rouen. Et il était débouté en Rouen. Alors justement, Michel Fache, j'ai vu que dans une vidéo qu'on trouve actuellement encore sur Internet, il apparaît. Il apparaît, on parle justement des objecteurs de conscience et on le cite. Alors là, on ne voit pas Jean-Jacques de Félis c'est dans une émission qui s'appelait Résistance, qui a été diffusée le 1er juin 1983. Donc on le retrouve. Mais j'ai lu aussi qu'en 1987, il y a encore un procès contre Michel Fache, qui est toujours considéré comme un déserteur. C'est-à-dire que même en temps de paix, on l'a considéré comme un déserteur. Alors qu'il demandait simplement l'équivalence entre la durée du service militaire et la durée du service, d'objecteur. Voilà. Oui, oui. Mais oui, je ne me rappelais plus que ce n'était pas fini. Ça a été... L'armée ne vous lâche jamais. C'est vrai. Bon, je pensais qu'après le jugement de Rouen, là, il était libre, oui. Jean-Jacques de Félis a défendu beaucoup d'objecteurs. Enfin, il n'a pas défendu que des objecteurs, mais il a défendu beaucoup d'objecteurs. Et justement, c'est lui qu'on venait voir souvent. Mais vous avez continué quand même à vous faire remarquer, puisque je vois que le 11 novembre 1983, vous dites que les anciens combattants me pardonnent, je n'étais pas devant le monument aux morts d'Évreux. Alors, pourtant, on attend les personnalités de la ville. Le maire m'avait invité en disant, vous savez, c'est traditionnel, on aime bien, etc. Je lui ai dit, non, vraiment, je ne viendrai pas. Je ne suis jamais allé. Jamais? Non. En plusieurs années, quand même. Ben, j'étais presque 13 ans, enfin... Vous voyez, c'est une question de conscience, un peu, vous voyez, de ne pas avaliser un peu ces guerres que je ne pouvais pas accepter. Alors, j'ai pas la dévotion des anciens combattants qu'on met en valeur. J'ai rien contre eux, vous voyez. Mm-hmm. J'ai rien contre eux, mais... voilà, c'est le fait qu'on dit, qu'on soutient, qu'on rend raisonnable la guerre, vous voyez, qu'on légitime la guerre. D'ailleurs, tous ces monuments aux morts, je trouve que ça légitime, en quelque sorte. On pourrait honorer ceux qui ont donné leur vie, mais enfin, là, c'est un peu l'État qui officiellement reconnaît le... Voilà. Oui, et puis il y a toute une cérémonie militaire autour du 11 novembre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant que Sylvain Garel, qui est un élu écologiste de Paris, justement, lui, va tous les 11 novembre avec quelques écolos, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui sont pacifistes parmi les écologistes pour l'instant, et il va souvent au mur de la paix. Au mur de la paix qui est au Champ de Mars. Là. Oui, j'ai vu aussi quelques fois pour d'autres choses, pour des manifestations, on se met au mur de la paix. Voilà, alors c'est tous les 11 novembre. Ah bon, ben, je ne savais pas que c'était le 11. Alors Jacques Gaillot, vous êtes invité au prochain 11 novembre. Je ne sais pas si Sylvain Garel le fait toujours, mais on y était allé une fois, il y avait du monde. Pas beaucoup. Oui, mais
pour dire, vous voyez, je préfère ça, vous voyez, pour dire que j'ai rien contre les anciens combattants, hein, qui ont été courageux, mais ne pas légitimer la guerre qu'ils ont faite, quoi. Vous savez, quand on regarde la guerre 14, là, tous ceux qui ont résisté, qui étaient pas d'accord, qui ont essayé de fraterniser, cette chanson qui a eu du succès, et les lettres qu'ils ont écrites, enfin, et qui savaient que c'était absurde d'aller au combat, de se tuer, c'est une guerre vraiment, quelle boucherie. Alors je peux pas cautionner ça, vous voyez. Au monument aux morts, ça c'est pas possible. Alors Jacques Gaillot, vous étiez encore évêque à l'époque, et puis je vois que vous avez fait un voyage en Polynésie française. Alors là, c'était en 1989, c'est ça, hein ? Vous étiez encore évêque à cette époque-là, oui. Avec le mouvement de la paix, oui. Pour l'arrêt des essais nucléaires français. Oui. Alors, pourquoi contre les essais nucléaires ? C'est aussi une préparation de la guerre ? Bien, justement, parce que les essais nucléaires, ça permet le renouvellement aussi des armes nucléaires, ça permet d'aller de l'avant, vous voyez. Et donc, c'est un peu la base, les essais nucléaires. Et donc, j'étais contre, parce que je suis contre le nucléaire militaire, et donc aussi civil, parce que c'est lié, vous voyez. Et d'une part, parce que c'est assez dispendieux de l'argent qu'on met dans les essais nucléaires, et au plan écologique, au plan de la nature, de tout. Vous savez, en Polynésie, j'y suis allé deux fois. Ça a contaminé les eaux, les pêcheurs ont perdu leur métier, il y a beaucoup de cancers, etc., qu'ils ont essayé de prouver, et tout, et tout. C'est un désastre. Alors, on disait, mais pourquoi est-ce qu'on va là-bas, dans ce paradis de la Polynésie, pour faire ça ? Si vraiment c'est pas dangereux, pourquoi ne pas le faire en Bretagne, hein, ou je sais pas où, dans l'Est, quoi. Mais là, on a fait ça ici. Et donc, c'est un désastre vraiment écologique et culturel là-bas, parce que ça, beaucoup de gens ont perdu leur métier, beaucoup de gens... et puis c'est pas fini. On a fait des dossiers pour ceux qui sont morts du cancer, pour essayer, etc. Bon. Alors voilà, j'étais contre, j'étais content de le faire aussi. On vous a demandé de partir ou vous avez proposé vous-même ? Ah non, on m'a proposé. C'était des gens de la mairie d'Évreux, à l'époque, quelqu'un de Greenpeace, qui était adjointe, maire de Marie, qui était venu me trouver à la rue du Dragon. Je me trouvais pour dire, voilà, on aurait besoin d'aller là-bas, est-ce qu'il y a toute une délégation d'un bateau de Greenpeace, etc. Et les gens, les familles qui étaient là, mais étaient d'accord, ils m'avaient fait des petits textes, etc., en disant, vous mettrez ça dans la mer quand vous arriverez là-bas. Ah oui, alors là déjà, vous étiez à la rue du Dragon. Oui, c'était en 1996. Et avec Greenpeace. Voilà, bon, ben c'est très bien parce que je... Déjà, en 89, j'avais été avec le mouvement de la paix. Ah, voilà. Et alors, en 89, vous y dites, les églises protestantes majoritaires dans ce pays ont pris une position courageuse contre les essais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de protestants là-bas. Par contre, l'église catholique reste prudente. Ma venue et mes déclarations ont déplu à l'évêque de Tahiti. Il me dénonça à la conférence épiscopale. J'aurais préféré qu'il dénonce les essais nucléaires, bien sûr. Ben effectivement, d'abord, j'avais été le voir pour dire, écoutez, je suis un évêque français qui est là, etc. Bon, il m'a reçu gentiment, il m'a fait signer le livre d'or même, etc., tout et tout. Bon. Puis après, il va se plaindre à la conférence épiscopale que je suis venu, etc. Alors le président a dit, il y a une plainte de l'évêque, de ceci, etc. Donc à l'Assemblée, j'ai dû dire quelque chose. Bon, mais enfin, c'était même pas bien perçu, quoi. Hein. Uh-huh. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Il a autre chose à faire, à s'occuper, que de s'occuper de ça. Puis après, j'ai été voir l'évêque, là, dans le
commissaire, on disait, bah, écoute, pourquoi tu ne m'as pas dit, tu m'as reçu chez toi, tu aurais dû me dire, je ne suis pas d'accord, que, etc. Tu n'as pas rien dit. Hein, dit oh, oui, mais écoute, ce n'est pas si simple, etc. Enfin, curieux, vraiment. Enfin, bon. Alors, après, vous dénoncez aussi les ventes d'armes. Bon, vous savez que Jean-Pierre Cotte, en 1981, avait aussi tenté de le faire avec Mitterrand, mais ça n'avait pas trop marché. Et vous dites justement qu'il y a une stratégie de désarmement à mettre en place de toute urgence, disait Jean-Pierre Cotte. Mais depuis, ça n'a pas tellement eu d'effet. Non. Non, non, là, ça, c'est un combat très, très inégal, vous voyez, qui est difficile, c'est une bouteille à la mer. Mais moi, j'accepte pas qu'on continue de vendre des armes comme l'a fait la France au Yémen. On vend ça à l'Arabie Saoudite qui ensuite tue des gens au Yémen. C'est pas possible. L'Allemagne est plus courageuse que nous dans ce domaine. Vous voyez, j'ai reçu un email ce matin. C'est des gens qui me disent nous sommes à la préfecture pour défendre un tel et nous irons le jeudi 3 octobre. Pour la quatrième année, tous les jeudis, nous allons protester contre les ventes d'armes. Et au mois de juillet, il y a deux navires fabriqués en Normandie, deux navires de guerre qui sont livrés à l'Arabie Saoudite. 2 sur 39, je crois. Alors ils disent que c'est inacceptable. Ils font ça tous les jeudis, vous voyez. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même intéressant que des citoyens font ça. Théodore Monod, quand on manifestait pour le nucléaire, là, on allait à 5 heures quand ils sortaient de leur usine, là, à je ne sais plus comment ça s'appelle, près de Paris, là, où il y a le PC nucléaire. Eh bien, on était là avec chacun avait un écriteau. Il avait un grand écriteau qu'il avait mis. La préparation d'un crime est un crime. Et alors, tous les colonels, tous les gradés, les gens, ils sortaient, les ingénieurs, sortaient, bon, ils nous ignoraient totalement. On n'existait pas. Et je dis à Théodore, je dis, on paraît quand même ridicule. Alors il me répond, le peu qu'on peut faire, il faut le faire. Et il ajoute, mais sans illusion. Eh bien, je pense souvent à lui. Alors, on fait des choses, ben oui, c'est peut-être un peu ridicule, mais le peu qu'on peut faire, on le fait. Sans illusion. Ben, c'est vrai pour les ventes d'armes. Que de fois, on était dans le ministère de la Défense, que quoi, avec des masques, vous savez, on mettait des gens. Les enfants disaient, ah, qu'est-ce que c'est ? La maman dit, viens. Et on a fait des choses, ben oui, que voulez-vous ? Quand il y a le fameux salon de l'armement, tout ça, enfin, on fait des petites choses. Bon, peut-être qu'un jour ça ira mieux, mais les gens disent ah ben ça donne du travail, et puis heureusement qu'il y a ça au plan économique, parce que si on vendait pas ça, où est-ce qu'on en serait, hein? Bon, et voilà, nous sommes un grand pays de l'armement et ça ne s'est jamais aussi bien porté. Ça c'est une plaie. C'est une paix à notre pays. Alors Jacques Gaillot, vous parlez aussi du pacifisme. Ça, c'est assez intéressant parce que souvent on a considéré les pacifistes comme des gens un peu lâches, un peu qui n'avaient pas le courage d'affronter l'ennemi. Alors, et vous évoquez, quelqu'un qui, pour l'Union pacifiste, alors vous avez vu, c'est Louis Lecoing, qui a obtenu le statut des objecteurs de conscience, mais enfin, qui, lui, effectivement, était aussi un pacifiste qui a été souvent critiqué. Alors, vous dites qu'il faut être courageux pour être pacifiste, est-ce que vous le pensez toujours ? Oui, parce que les gens disent, mais écoutez, il faut être réaliste, hein. Bon... On a besoin de gens qui s'engagent, mais ces belles âmes, souvent, j'étais traité de... Oui, vous êtes une belle âme qui veut... Bon, on vous aime bien, mais enfin, écoutez, hein, ayez les pieds sur terre. Enfin, ça m'agace de... Moi, je trouve que être militant de la paix, c'est à l'honneur d'un citoyen. Et être en paix avec soi-même, en paix avec les autres, faire la paix, c'est... C'est un titre d'honneur que je revendique pour moi, pour d'autres. Et je trouve qu'être non-violent, c'est... Il faut le faire, c'est courageux. C'est plus facile d'être violent envers les autres.
Alors je lis justement, Jacques Gaillot, dans votre lettre ouverte à ceux qui prêchent la guerre et la font faire aux autres, de temps en temps je vous cite un peu, je lis « La non-violence n'est pas la non-résistance », parce que c'est quand même aussi de la résistance. Pas question de fuir, de courber les chines. Guidés par les forces de la vérité et de l'amour, définies et mises en pratique par Gandhi, les non-violents sont des combattants de la paix, concrètement engagés et ayant les pieds sur terre. La non-violence est sans doute même la seule forme d'action valable de désobéissance, d'insoumission à des régimes de dictature, de répression, où toute forme de rébellion armée se trouverait vouée à l'échec et noyée dans un bain de sang. Finalement, c'est vrai que la résistance armée entraîne souvent de la violence. Regardez l'exemple du vendredi en Algérie. C'est quand même beau ce peuple qui, tous les vendredis, voilà, ils sont exigeants, mais enfin, ils sont pas violents, ils ne veulent pas tout casser. Je crois qu'on peut lutter pour la justice et pour la paix sans tuer et sans haine, vous voyez. On n'est pas obligé de tuer pour qu'on fasse la paix. Regardez ce qui s'est passé au Soudan. Vous voyez, cette tradition de non-violence, l'armée a tiré dessus, vous voyez, il y a eu des morts à un moment donné, mais au Soudan, ils ont continué, ils ont obtenu quelque chose, j'espère que ça ira, vous voyez. Bon, mais c'est pas en prenant les armes, vous voyez, pour les Palestiniens, pareil, je pense que c'est pas parce qu'on tire des roquettes que ça va arranger les affaires. Je crois que la résistance non-violente, c'est beau. C'est fort. Alors justement, vous avez soutenu la résistance palestinienne. Oui. Vous avez soutenu, vous savez qu'il y a aussi, bien sûr, des mouvements non-violents qui... La résistance, bon, quand il y avait les pierres, bon, je préfère quand on porte une branche de palmier que des pierres. Mais enfin, ou d'olivier. Voilà. Et en tout cas, je me permettrai pas de juger ceux qui veulent passer dans la lutte armée... Je veux pas, il y a peut-être des conditions, moi je ne peux pas. Je sais qu'au Pays Basque, j'ai toujours regretté qu'il y ait que le TA aille dans le sens de la violence. Et Dieu sait si j'étais content quand ils ont voulu démilitariser et aller dans ce sens de la paix. J'ai vraiment appuyé tout ça. Je le disais déjà avant, je dis, vous savez, c'est pas par les armes que ça arriverait vraiment. Mais vous ne les condamnez pas totalement, vous ne condamnez pas la violence, non, par exemple que... l'intifada des Palestiniens, quand ils ont été poussés voilà. À cette violence, vous ne pouvez pas la condamner, Jacques Gaillot. Je ne veux pas juger, je ne veux pas les condamner parce qu'ils sont dans de telles conditions, moi-même si j'y étais, peut-être que je le ferais comme eux, je ne sais pas. Mais sinon, je ne me vois pas faire ça. حبك من قلبي يا قلبي انت عيني حد القناطر محبوب ناصر كسر الخواطر يا ولفي ما أنا عليا كسر الخواطر يا ولفي ما أنا عليا بطل بتلوح والقلب مجروح وأيام عالبال بتعن وتروح أيام عالبال بتعن وتروح تحت الرمان حبي حكاني وسمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا Alors, c'est en 1995 que on dit Monseigneur Gaillot va devenir Jacques Gaillot. il faut dire que vous aviez pris des positions contre l'apartheid en Afrique du Sud, hein, c'est ça, pour l'ordination des hommes mariés, contre les essais nucléaires de Polynésie, on en a parlé, l'opposition à la guerre du Golfe, on en a parlé. Alors là, quand justement vous quittez Évreux, vous écrivez un livre qui s'appelle « Coup de gueule contre l'exclusion ».
Et puis, là, si vous avez quitté Évreux, c'est aussi parce que vous avez pris position contre Charles Pasqua et ses lois contre les immigrés. Je crois que c'est aussi ça qui vous a valu beaucoup d'ennuis à Évreux. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai même envoyé dédicacer le livre, là. Bon. Je dis à Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, dont je parle si souvent dans ses pages. Frère Gaillot, évêque d'Évreux. C'est un de mes derniers livres, d'ailleurs. Et alors, il paraît qu'il n'était pas content du tout. Pas content du tout. Il a écrit au président de la conférence épiscopale, qui était l'archevêque de Rouen, monseigneur Duval. L'archevêque, alors le ministre de l'Intérieur dit, d'ailleurs, je compte lui faire un procès à cet évêque. Alors le pauvre archevêque de Rouen m'écrit en disant, tu te rends compte, ce livre que tu as écrit, maintenant il veut te faire un procès, alors pour l'Église de France, ça va encore faire une belle affaire. Ben, je dis, écoute, s'il veut me faire un procès, il me fait un procès, qu'est-ce que tu veux? Ah non, non, il faut pas, il faut tout éviter, non, 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 non. Alors il lui a écrit une lettre en me désavouant, un évêque n'a pas à écrire comme il a écrit, etc. Je vous demande respectueusement de ne pas faire de procès pour l'Église de France. Enfin bon, c'était dommage. Bon. Alors il n'a pas fait de procès, mais il a fait savoir à Rome que Jacques Gaillot, hein, ça suffisait. Et j'ai su ça à Rome par quelqu'un qui travaille à la secrétaire d'État, qui m'a dit, tu sais, Charles Pasqua n'est pas content après toi. Hein. Et donc, j'ai été convoqué à Rome par le cardinal Gantin, il y avait côté de lui le substitut de la secrétaire d'État, le futur cardinal Thorens, un Français, qui paraît-il ne pouvait pas me voir. Et alors je l'avais jamais rencontré, il était là debout, et moi j'arrivais, il m'a dit, et je dois vous dire que je n'ai pas rencontré Charles Pasqua. Je dis, ah bon? Je ne sais pas qu'est-ce que ça venait faire là. Vous voyez, c'est curieux. Il s'est défendu tout de suite. Bon. Enfin voilà, pour dire que cette affaire-là a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et alors Jacques Gaillot se retrouve à la rue du Dragon, alors pendant une année, à la rue du Dragon, au milieu des sans-papiers, voilà. Des mal-logés. Alors qu'est-ce que c'était que cette histoire de la rue du Dragon? Parce qu'on l'a un peu oublié déjà, malheureusement. Écoutez, c'est une école assez célèbre de jeunes filles. Alors des grands bâtiments, une cour intérieure, en plein 7e arrondissement, près de Saint-Germain-des-Prés, c'était pas rien, une belle école, une grande école. Puis depuis 4 ans, il n'y avait plus rien, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et alors, on l'avait squatté, et moi-même, j'ai été au mois de décembre, avant Noël, la squatter. J'ai même dormi là, dans les pierres, dans le froid. Puis je suis reparti le lendemain matin à Évreux. Et alors, on a fait ça en connivence aussi avec l'abbé Pierre. Enfin, c'était un gros truc. Et on ne voulait pas être expulsé. Et donc l'abbé Pierre avait vu le Premier ministre, Balladur, qui avait dit « Non, non, d'accord, vous ne serez pas expulsé. » Donc c'est une assurance qu'on pouvait y arriver, etc. Et donc, devant quitter Évreux, j'en savais rien, vous voyez, devant quitter Évreux, ben, on m'a dit « T'as qu'à prendre une pièce, là, c'est bien, ça sera un signe. » Et donc c'est comme ça que je suis venu à Paris, je ne savais pas où aller, je suis venu là. Et les familles étaient très accueillantes, les sans-papiers, c'était un bon moment, vraiment, on a vécu des belles choses là-bas. Alors, il y a une association qui s'appelait Droit Devant, oui. Avec Jean-Claude Amara, parce que lui, il avait déjà organisé plusieurs squats comme ça. Oui. Et là, comment vous êtes entendu avec ces gens de l'association? Ils vous ont pris tout de suite avec eux? Je suis parti de Droit Devant, enfin, je veux dire, on a fondé l'association avec Jean-Claude Amara, et... On m'avait demandé si je voulais être le président. J'ai dit non, un évêque ne doit pas être président. Alors on acceptait qu'il y ait des coprésidents. Il y avait Jacquard, il y avait Schwarzenberg et moi. Nous étions 3 coprésidents. Bon, c'était l'aventure qui commençait, une belle aventure. Alors Jacques Gaillot, vous n'étiez plus évêque donc d'Évreux, mais vous étiez évêque de Parthénia. Voilà.
Alors, Parthénia, qu'est-ce que c'est, Parthénia ? Alors là, un évêque doit avoir un titre. Bon, alors, il ne faut pas le laisser sans titre. Et donc, on lui donne un évêché qui existait, qui n'existe plus, mais il est rattaché, etc. Alors, c'est vrai pour des cardinaux à Rome qui ne sont pas évêques d'un diocèse, mais ils ont un titre bidon. Et moi, on m'a donné évêque de Parthénia. Et Parthénia se trouvait près de Sétif, sur les hauts plateaux de Sétif, dont j'ai dû sillonner le diocèse de Parthénia pendant mon service militaire. On peut penser que c'est par délicatesse que Rome m'a nommé là. Enfin, c'est pas sûr. En tout cas, voilà, c'est l'Algérie et c'est pas loin de Sétif. Et il y a des archivistes, des gens des beaux-arts de Sétif. Il y a un instituteur aussi de Sétif qui serait content que je vienne en disant « Parthénia, c'est certainement là ». Mais enfin, on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas de cathédrale à l'époque. C'était une maison de l'évêque. On s'est retrouvé là pour faire l'Eucharistie. C'était tout modeste. C'était... dans les premiers siècles, en tout cas, on a une mention, alors ça c'est solide, de l'évêque de Parthénia qui participait à un concile régional avec saint Augustin. Oui, des évêques de Parthénia. Et en 475, avec l'arrivée des Vandales, tous ces petits diocèses sont tombés comme un château de cartes. Voilà. Voilà, donc j'ai un pied en Algérie, près de Sétif, où j'ai été. Alors c'est presque un évêché virtuel. Oui. Et vous avez créé ce premier évêché virtuel à l'époque. Oui, il existe. Alors on m'a dit, tu peux plus faire une, comme d'autres fois, un article dans la vie diocésaine, ton bulletin. Maintenant, tu as beaucoup mieux, tu as Internet. Et donc, tu écris tous les jours en plusieurs langues. Et une femme de Zurich a dit, ben moi, je veux bien être bénévole pour faire ce site en 7 langues. Alors il y avait donc l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le portugais, le néerlandais. Et il y avait donc, je réagissais sur trois événements du mois qu'un journaliste me posait, un journaliste de France 2. Et puis je répondais et ça paraissait sur le site. Et il y avait beaucoup de monde. Hein, il y avait plus d'un million de personnes chaque mois. Oui. Donc c'était encore plus vaste que l'évêché de Évreux, du coup. Vous étiez sur le monde entier, une ouverture sur le monde entier. Ce que vous vouliez être, puisque... De Russie, parce qu'on sait que qui vient, il y en avait de Russie, de la Chine, il y en avait toujours deux du Vatican. Ils surveillaient, bon. Peut-être. Eh bien voilà, il y avait toujours deux qui venaient du Vatican. Bon. Voilà, c'était l'aventure de Parthénia. Alors, ça a duré quand même de nombreuses années. Et puis là, est-ce que vous avez justement réagi à des événements qui se passaient à l'époque ? Parce que je vois que vous avez été invité à Cuba à un moment donné, où des Cubains avaient été incarcérés aux États-Unis. Oui. C'est ça. Alors, une première fois, la Crivine m'avait invité à Cuba. Beaucoup longtemps, j'étais évêque d'Évreux. Et comme on me reprochait souvent de voyager, qu'il faut se mettre en lien avec les évêques, avec le nonce. Alors je dis au nonce, je suis invité à Cuba, j'espère que c'est pas un problème pour vous. Ah, monseigneur, non, n'allez pas. Il m'a déconseillé fortement, donc je dis, je regrette d'avoir demandé. Bon, mais plusieurs années après, on m'a demandé, l'ambassadeur qui était en France, là, m'a dit, il y a 5 prisonniers qui sont aux États-Unis, qui, etc., etc. Il faut qu'on les libère, etc. Alors, j'étais tout à fait d'accord. On a été là-bas, à Cuba. Il y en a qui... On a fait même une messe ici, pour eux, avec l'ambassadeur. On a fait des tas de choses, des ambassadeurs. On a... Ah oui, puis il y en a qui sont venus ici, à Paris, et que j'ai rencontré quand ils ont été libérés. Enfin voilà, ça fait partie des sagas. Moi, je suis toujours attentif aux prisonniers, vous voyez. Et moi, j'étais lié un petit peu à un professeur de sociologie, la Sorbonne, je crois, qui lui aussi était un Italien, etc., qui était là. Il était inquiété, lui aussi. Il était arrêté, et on l'a mis dans une prison à Viterbe, etc. Et j'étais le voir en prison. Je suis allé à Rome, tout le monde disait, tu vas voir le pape, tu vas voir... Je dis, non, je vais voir un prisonnier. Bon, tu vas voir un prisonnier. Alors, je suis allé à Viterbe. Je me rappelle, c'est pas facile, après de la prison, de revenir.
il y avait une femme qui dit, écoutez, je prends le taxi jusque-là, venez avec moi. Elle me dit, vous avez quelqu'un de la famille? Je dis, non, c'est un ami, c'est par solidarité. Ça l'avait frappé. Ah, vous venez par solidarité? C'est pas la famille. Je dis, non, c'est pas la famille, mais par solidarité. Eh bien, oui, j'étais content de le voir là-bas, etc. Et puis un jour, il me téléphone, il me dit, je vais arriver à Roissy, je dois aller quelques jours en France, je serai content de te revoir. Alors j'ai été à Roissy, l'accueillir, on a pris un café, on a discuté, vous voyez, voilà. Les liens avec les prisonniers, c'est important. Eh oui. Alors vous avez soutenu aussi en Tunisie, je vois, des... dans le bassin minier de Gafsa, aussi, en particulier, Gafsa. Aussi des oui. Jacques Gaillot, aussi des travailleurs emprisonnés. Deux fois de suite, oui, oui. On est parti là-bas avec une équipe de militants. Excusez-moi, c'était sous la, encore sur la dictature, on peut dire, de Ben Ali? Oui, alors, parce que j'y étais plusieurs fois. Alors une fois, c'était encore sous la dictature, il y avait des barrages, etc. Et puis, oui, après, ça a été quand il y a eu un changement. Oui. Alors la première fois, c'était sous la dictature. La deuxième fois, la révolution de printemps avait commencé. Alors c'était très différent, parce que la première fois, là-bas, vraiment, on était suivis, toujours par la police. Les gens n'osaient pas parler. Il y avait des femmes qui étaient courageuses, disaient, moi, je n'ai pas peur de parler. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont pris mon fils, ils m'ont pris mon mari. Qu'est-ce qu'ils peuvent me prendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent me prendre? Alors je peux vous parler, vous savez, moi, je n'ai pas peur. Hein. Ils savent que je vais vous parler. Mais... Ah, il y a de belles choses, il y a de belles choses. Et alors, on est revenu à la révolution de printemps là-bas. Alors, la ville s'était dressée, les jeunes, les femmes, c'était beau comme tout. On a fait une vidéo, une belle vidéo, vraiment. Il y avait quelque chose qui partait, et puis les gouvernements ont été décevants pour tous ces gens-là. Ils ont laissé un petit peu le rural, le sud, ils ont développé les villes, tout ça, et donc... C'est dommage, vraiment, c'est des ratés, ça, de... On avait tellement médité avec eux. Il faut dire que la Tunisie, encore aujourd'hui, on est en pleine période électorale en Tunisie. La France n'a pas beaucoup aidé ce petit pays où il n'y a pas grand-chose. Moi, je suis né là-bas, en Tunisie, à Nabeul. Oui, sous les bombardements des Américains et des Anglais, lorsque, justement, les Italiens et les Italiens fuyaient, bien sûr, et les Allemands essayaient de résister, voilà, en 43. Donc, je sais que, par exemple, la Tunisie, qui est un pays pauvre, où il n'y a pas de ressources particulières, aurait pu être un peu plus aidée. D'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup de personnes attachées à ça, lorsqu'il y a eu cette révolution, parce qu'on les a laissés un peu... qui était une révolution non violente. Oui, tout à fait. Alors, moi, je consonne tout à fait ce que vous dites, parce que ma mère est née en Tunisie. Mes grands-parents sont nés en Tunisie. Ils sont arrivés en 1890, ils avaient un domaine, c'était des colons, à Bizerte. À Bizerte. Et donc, quand j'étais jeune, j'étais souvent à Bizerte, chez mes oncles, mes tantes, avec ma mère, etc. Donc, je suis attaché à la Tunisie. Et c'est vrai que la France n'a pas beaucoup aidé la Tunisie parce que c'est pas tellement un pays d'avenir, c'est plus l'Algérie, c'est plus le Maroc, c'est plus l'Algérie, la Tunisie, voilà, à part le tourisme, hein, c'est pas facile. Parce que j'ai lu votre blog de Huffington, alors j'arrive jamais à le prononcer comme il faut, Huffington Post, et là... vous prenez encore des positions qui sont, on peut dire, avancées par rapport au droit français. Je vois, par exemple, sur l'euthanasie. Le droit à mourir dans la dignité, nous avons fait quelques émissions avec Robert Jospin, Mireille Jospin, qui en faisait partie aussi. Et là, vous prenez position, justement, pour l'euthanasie. Donc je laisse quand même la porte ouverte. Je n'aime pas les certitudes, moi. Il faut être assez humble devant ce grand mystère de la mort, de la vie. Mais qu'on laisse les gens quand même aussi mettre de leur vie et de ne pas disposer comme ça.
on essaye d'être libre toute sa vie. Il ne faut pas non plus nous imposer de l'acharnement, de ceci. Il faut respecter ce qu'on est. Et voilà ce qu'on a fait pour ce jeune-là. Enfin, vraiment, ce n'est pas l'honneur de notre pays, de laisser vivre comme ça des gens. C'est pas digne, c'est pas humain. Alors je souhaiterais qu'on soit vraiment respectueux de l'humain et qu'on ne dise pas ça c'est interdit, ça s'interdit. Vous savez, voilà. Alors bien sûr que vous parlez aussi du mariage homosexuel dans ce blog, j'ai vu. Vous vous élevez contre le racisme en Italie, notamment du dernier Salvini, qui heureusement a été écarté un peu depuis, mais malheureusement il a encore beaucoup de succès. Il reste en embuscade. Il reste encore très dangereux d'après mes amis italiens. Et puis j'ai vu que vous faites partie, alors en 2015, de l'appel des 58. Alors je ne connaissais pas l'appel des 58, c'est « Nous manifestons pendant l'état d'urgence ». Alors quand l'état d'urgence a été proclamé, notamment c'était sous le président Hollande, ça limitait quand même les possibilités de manifestation. Et puis là, je vois, vous êtes associé à des personnes comme Dominique Grange, Jacques Higelin, que vous avez connu aussi à la rue du Dragon, Serge Quattrapani, et tout ça, qu'est-ce que c'est que cet appel des 58 ? C'est-à-dire, parce que je n'aime pas l'état d'urgence où on nous embrigade, vous savez, on nous met un peu la main sur nous en disant maintenant, écoutez, on est obligé de, etc. Enfin, on est quand même majeur, on peut se conduire, on est responsable, on n'a pas besoin de. L'armée n'est pas à nos trousses, il n'y a pas les barbares qui sont là, enfin, quand même. Alors, l'état d'urgence, ça me révolte, ça me hérisse. Et donc, moi, je suis assez indépendant de nature. Et dans un pays démocratique comme la France, je trouve que c'est pas le moment. Bon. On était un certain nombre, comme ça, à protester en disant nous sommes des citoyens, on est dans un pays démocratique, on est un état de droit, qu'on ne nous limite pas pendant un temps, on ne sait pas combien de temps, on ne peut pas faire ceci, on peut faire attention, pas de. Voilà. Mais c'est un peu une atteinte à nos libertés, quelque chose qui n'est pas normal. Alors, dernière question, le service national universel, on y revient, puisque nous allons bientôt nous réunir encore au mois d'octobre pour un peu finaliser ce collectif et puis organiser un peu, se faire un peu plus connaître. Alors, ce service national universel, pourquoi il vous semble pas intéressant alors qu'il y a eu déjà une expérimentation donc cet été, 2000 jeunes qui sont allés, beaucoup qui ont l'intention d'ailleurs de rentrer ensuite dans l'armée ou dans la gendarmerie, mais cet embrigadement de la jeunesse un peu, est-ce que vous pensez que c'est utile, est-ce que Jacques Gaillot, est-ce que vous pensez que ça peut avoir ça peut représenter un danger? Vous avez employé le mot que j'aurais aimé employer, embrigadement. Ça sent l'embrigadement. Vous voyez, on reprend en main la jeunesse de France. Petit à petit, doucement, mais sûrement. On commence à 16 ans, jusqu'à 25 ans, mais il faut la formater, il faut lui donner le sens de ce qu'elle doit faire et croire. Vous voyez, on veut reprendre la jeunesse en main. Ça, je ne supporte pas. Je pense profondément que on est fait pour devenir nous-mêmes, et non pas pour imiter, non pas pour copier, non pas comme faire pour les autres. Chacun son chemin, qui n'est pas celui des autres, qui ne peut être que le sien. Oui. Alors c'est une aventure, c'est difficile, mais on a à devenir soi-même. Alors un État doit permettre aux citoyens de chercher. Alors on est aidé par d'autres parce qu'il y en a qui nous ont éclairés, qui nous ont renouvelés, qui nous ont marqués, ça c'est sûr, comme disait Jacquard, on devient soi-même par la rencontre des autres. Mais il faut devenir soi-même. Ça pour moi c'est très important.
Et donc là, c'est une école où on est habillé pareil, etc. Il faut qu'on chante la Marseillaise le matin, qu'on soit là aux couleurs, qu'on fasse ceci, qu'on soit au pas. Moi j'ai horreur de ça. Mais je n'aime pas l'uniforme. Je n'aime pas marcher au pas. Je suis comme ça. Et alors, ça, il n'en faut pas plus pour moi. Voyez, je crois que il y a l'éducation nationale, il y a la famille. Bon, on fait pas tout ce qu'on peut, mais il faut améliorer justement les familles, ce que font les familles et l'éducation nationale pour qu'on devienne des citoyens à part entière, responsables. C'est là qu'il faut mettre de l'argent, qu'il faut ouvrir des classes, qu'il faut donner des professeurs, et non pas mettre de l'argent, beaucoup d'argent, dans un truc là où là, ça sera solide. Voilà, ça me hérisse. Alors, si vous aviez 15 ans, Jacques Gaillot, qu'est-ce que vous feriez? Si on vous convoque justement pour le service national universel, parce que là, il va devenir obligatoire bientôt. Écoutez, quand j'avais 15 ans autrefois, je n'aurais pas été capable de sentir les choses. Maintenant, aujourd'hui, avec mon expérience, si j'avais 15 ans, j'accepterais pas. Je ne pourrais pas. Vous voyez, je suis indépendant. Je ne peux pas. Je ne suis pas fait pour penser comme les autres, faire comme les autres. Voilà. Alors, c'est finalement les expériences de la vie qui vous ont mené comme ça. Alors c'est que justement, vous voyez qu'à 15 ans, on est encore très malléable, on n'est pas exactement encore au courant. C'est ça qui est dangereux. Mais... Parce que quand même, quand on a 16 ans, on est malléable, on ne sait pas trop, on a 15 ans... On est ouvert à des tas de choses, alors on dit « Ah ben, je vais aller là, c'est là ». Alors, évidemment, ça offre une sécurité, peut-être un avenir, un métier. Les gens vont dire « Tu sais, c'est important pour l'avenir, quand tu sortiras de là, tu seras bien noté, tu diras « J'ai fait le SNU, donc ça va t'ouvrir des portes, tu vois, c'est important. Comme on fait en Israël, il faut faire le... Tu sais, parce qu'après, si tu le fais pas, tu verras, tu n'as plus d'avenir ». Eh bien, là, c'est pareil. Si tu refuses, tu seras rayé, tu vois. Et alors, je crains que beaucoup de gens disent « Ah, mais si, ça sera bien. Ça manquait, le service militaire. C'est là qu'on devient un homme. C'est là qu'on apprend à vivre ensemble. C'est là... » Comme si on avait besoin, pour vivre ensemble, d'être dans une caserne. Vraiment. Ça, c'est des gens qui n'ont pas fait le service militaire, hein, vraiment. Bon, alors je crois, Jacques Gaillot, qu'il va falloir que vous recommenciez à prêcher devant les jeunes pour un peu leur expliquer toute cette expérience. Et fausse route. Je suis pas fait pour l'embrigadement. Voilà. Et là, je sens que ça va venir, vous voyez, ça va venir. Et on reprend les choses en main. Un pays veut reprendre sa jeunesse en main, qui lui échappe, vous voyez. Mais oui. Alors c'est un désaveu à l'éducation nationale, c'est un désaveu aux éducateurs. Mmh. Ça veut dire, vous n'êtes pas capable de faire des citoyens de la République, bien nous, on va vous montrer comment on fait. Je trouve que c'est pas un bon chemin. C'est pas un bon chemin républicain. Ça va coûter cher et ça rendra pas service au pays. Vous savez, ce qui est important, c'est d'être en paix avec soi-même, d'être libre. Vous voyez, c'est ça dont les gens ont besoin, de ne pas dire ce qu'il faut dire, de ne pas d'être soi-même, vraiment. Je suis heureux de vivre parce que je vis ce que je pense, vous voyez. On a des valeurs et c'est la vie qui nous apprend tout ça. Puis c'est pas fini, vous voyez, comme disait Jacquard, demain est à faire. Et je crois que... Quand la vie est une aventure, eh bien la vie est belle. Quand la vie est une aventure, la vie est belle, nous dit Jacques Gaillot. Eh bien, nous allons terminer sur ces paroles l'émission Civis Pacem de l'Union Pacifiste. Et je tiens encore à remercier, bien sûr, Jacques Gaillot, qui, par la même occasion, nous a donné une leçon qui, je l'espère, servira aux jeunes qui seraient tentés de se laisser séduire par le SNU. Qu'est-ce que c'est que le SNU ? Le SNU, c'est un embrigadement qui est la négation de l'aventure et de la vie. Alors, prenez exemple sur l'indépendance et la liberté de Jacques Gaillot. Ciao, ciao, maintenant, les auditrices et les auditeurs de Civis Pacem, et à la semaine prochaine.
mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans.